Bonjour mes amis, je m'appelle Jacques Giroux, je suis l'organiste titulaire ici à la cathédrale de Joliette, notre cathédrale dont nous sommes très fiers. Alors, en ces temps de confinement, je vous propose un petit récital de pièces qui tournent autour du temps pascal. Alors, dans un premier temps, pour, disons, évoquer le Jeudi Saint au soir, la dernière scène de Notre Seigneur, avant la Passion, je vous présente quelques extraits d'une cantate de Dietrich Buxtehude, un compositeur allemand que Jean-Sébastien Bach a connu, qui est même allé visiter. Quand il était jeune, il a traversé à pied à peu près la moitié de l'Allemagne pour aller rencontrer Maître Buxtehude. Alors, la cantate en question, en français, c'est « Ton cœur noble, le trône de l'amour ». En allemand, c'est « Dein edles Herz, der liebe Thron ». Alors, je vous présente la symphonia qui précède le chœur d'ouverture et la première ritournelle. Thank you.
pour évoquer le Vendredi Saint, la passion de notre Seigneur, le grand Jean-Sébastien Bach a écrit un magnifique oratorio qui s'appelle « La passion selon Saint Matthieu ». Il a aussi également écrit, 5 ans auparavant, une passion selon Saint Jean pour chœur, orchestre, soliste et des grands effectifs, quoi. Alors, je connais la passion selon Saint Matthieu depuis l'âge de 14 ans. Ça m'a toujours inspiré durant les jours saints. Alors, c'est pourquoi je vous propose à l'orgue, version instrumentale, du chœur d'ouverture.
évoquer le temps de Pâques, je vous propose l'Alléluia de ma propre messe de Saint-Charles-Borromée. C'est une composition que j'ai écrit ça en 2014 pour le 150e de la ville de Joliette. Les chanteurs de la place Bourget ont eu l'honneur d'en faire la création. Il y a aussi l'ensemble professionnel Vox Luminosa, dirigé par Claudel Callender, avec qui je collabore régulièrement, qui l'ont aussi chanté à trois reprises, incluant ici même pour des messes des artistes, dont nous voulions présenter aussi certains extraits de ces messes-là dans un autre cadre, mais évidemment avec les événements, les projets sont suspendus. Mais de toute façon, je vous présente une version instrumentale de cette Alléluia à l'orgue pour évoquer Pâques, la veillée pascale et aussi Pâques au matin. Je propose toujours dans le temps de Pâques cet hymne que l'on entend souvent en France, mais aussi ailleurs, que l'on entendait plusieurs fois à Notre-Dame de Paris. Il existe encore des fichiers YouTube où l'on peut visionner ces grands moments. C'est un hymne de Pâques qui s'appelle « Au filié, et filié ». Il y a des versions chantées, il y a des versions à l'orgue qui ont été adaptées par différents organistes. Il y en a qui ont improvisé sur ce chant.
Il y a des organistes français du 18e qui ont écrit aussi des variations. Alors, je vous propose un mix, un combiné d'improvisation et de vieilles versions françaises baroques. Vous allez entendre, entre autres, les jeux de trompettes.